Salut amis, bienvenue dans l'UJI Info TV dans une nouvelle vidéo. Vidéo ça c'est pour tous les amis qui t'ont demandé faire une vidéo Neymar dans Real Madrid, etc. Ok. Les nous faisons un commentaire, regardez et mes séries sur deux gens capables. Donc, vidéo ça c'est pour nous. Regardez vidéo ça jusqu'à la fin, on retourne à propos là. Et tout le monde était déjà fait pour Neymar avec FC Barcelone. Tout le monde pensait que Neymar était allé dans Barcelone définitivement. Et puis pour juste qu'on a beaucoup de gangs fait. Qui ça fait ça? Cause qui fait ça, c'est prix Paris Saint-Germain a demandé pour Neymar. Et puis mauvaise relation que dirigeant FC Barcelone a gagné avec dirigeant Paris Saint-Germain. On s'en est depuis avant qu'à Neymar, Barcelone a toujours eu un problème pour acheter un joueur qui a joué dans Paris Saint-Germain. Et on s'en est qu'à Verratti, on s'en est Rabiot, tout le Rabiot seulement a gagné. Il n'a rencontré avec Paris Saint-Germain. Mais c'est le contraire pour l'équipe Real Madrid là, parce que Florentino Pérez a eu une bonne relation avec Alken Life qui est le président Paris Saint-Germain. Et ça va sembler que Florentino Pérez voulait jouer avec ça en faveur. Nous déjà connaissons bien que Neymar c'est un joueur que Florentino Pérez remet en pile depuis bien longtemps qu'il voulait acheter monsieur. D'après information selon ESPN AF Marca, ça va sembler que l'équipe Real Madrid là entre dans la course pour acheter Neymar là, et dirigeant Paris Saint-Germain au fait connaître que si Real Madrid voulait acheter Neymar, il y a besoin de Varane ou bien Vinicius avec une somme d'argent. Bon, dans le cas de Vinicius, je parle très clair parce que Vinicius est un joueur qui a utilisé Real Madrid en plus dans le futur. Parce que Real Madrid voulait comme si mettre l'opération Neymar là, plus qu'on a l'option Varane avec une somme d'argent. Bon, nous connaissons que Varane passe à faire un 3 bon saison parce que ça, bon, tout le monde a dit de passer à faire un bon saison, mais Varane était nettement passé à côté. Même si Real Madrid avait décidé de ne pas mettre Vinicius dans l'opération Neymar, mais pourquoi si Neymar est venu dans l'équipe là, ça n'a pas de problème pour Vinicius parce que Vinicius parle bien moins 6 minutes de jeu et Vinicius nous connaissons son équipe qui a besoin de continuité, son équipe besoin pour le grandir. Bon, et à part de Neymar, encore le petit problème que je pensais qu'il est capable de gagner, c'est Monsieur avec Aza parce que nous tous connaissons que c'est terminé de jeu. Oui. Bon, même les Aza capable de jouer dans le milieu de terrain. Mais si là, ça c'est prendre ballon dans le milieu de terrain et puis monter ensemble avec lui et puis chercher goal, bien on passe décisif et nous connaissons Neymar, c'est comme ça Neymar joue. Mais si tu dis que ça arrive à ton nom, quoi, c'est un bon achat. L'autre information cap c'est qu'il est pour Barcelone, ça va sembler que dans le dernier moment, Barcelone offre Paris Saint-Germain pour prêter Neymar et puis avec une option d'achat obligatoire saison cap vini dans environ 160 millions d'euros. Selon moi-même, quoi, que l'option ça c'est lui-même qui plus avantage Barça, mais ça va sembler que dirigeant Paris Saint-Germain n'a pas fini d'accord avec option ça. Comme dit nous tous, il y a une autre équipe qui veut être dans la course pour Neymar. D'après les dernières informations qui sont là, l'équipe Juventus l'a voulu mettre dans la barre là tout. Ça va sembler qu'il voulait mettre 10 balles dans l'opération avec une petite quantité de l'argent. Tout le monde connaît 10 balles qui passent à faire une grosse saison. 10 balles qui sortent des plus haut pour descendre plus bas. Et je crois que si Juventus arrive à chez Neymar pour 10 balles et puis une petite quantité de l'argent, bien donc ça va très bien. Ok. Bon. On imagine nous Cristiano Ronaldo avec Neymar. Si ça arrive en tant que Juventus pour le faire mal parce que là il y a une machine goal devant là et puis il y a Neymar qui c'est un joueur qui est très créatif, un joueur qui pour le bail Cristiano Ronaldo en pile passe. Et Cristiano Ronaldo qui arrive dans tel point que les marquer en pile goal tout, OK. Par exemple, si nèg yo entend nous bien pas gagne ego entre eux et puis Neymar apprend ballon dribble mon et puis ben Cristiano Ronaldo passe et Cristiano Ronaldo met goal qui donc Juventus pour le faire mal qui donc automatiquement c'est mettre Cristiano Ronaldo jouer point et puis Manzo qui va le prendre bas. Ça autant de la diffus seulement imaginez Neymar Ronaldo si n'est bien entendu ouais mal bah sérieux moi mal bonjour mes femmes c'est là pour la vidéo mais j'espère que vous aimez la vidéo n'abandonnez pas quoi dire dans la prochaine vidéo.